Bonjour, Aleichem Shalom. Encore une news, encore une information. Allons la chercher. Non à la radio, non dans les journaux, dans notre sainte Torah. Nous sommes dans la paracha Va'yakel. Eh bien, la Torah nous dit la chose suivante. Elle nous dit: Vechol hanashim otana tavu et taizim » De quoi parle-t-on? Et toutes les femmes que leur cœur portait à la sagesse filèrent le poil de chèvre sur les chèvres, nous explique Rachid. Extraordinaire. On nous demande de faire des tentures, de faire des rideaux. Les femmes, chachmaniotes, elles prennent l'initiative de filer cela sur les chèvres elles-mêmes. Pourquoi je ne suis pas spécialement compétent dans la discipline, mais disent nos sages que cela faisait des fils particulièrement beaux, moudrymes, et ces femmes qui sont sages de cœur, spontanément, elles ont filé ces fils sur les animaux eux-mêmes. Extraordinaire. Qu'apprend-on de là Torah, aura. Torah, c'est enseignement, c'est vivre, c'est dans le quotidien. Ces femmes avaient des kishronotes, elles avaient des talents, elles avaient des dons. Eh bien, elles avaient des dons, elles ont vu que ces dons, il fallait qu'elles les offrent à Dieu elles ont l'immense occasion, l'immense opportunité de pouvoir participer à la confection du Mishkan, et eh bien elles ont fait du mieux qu'elles ont pu avec leur chorma particulière, elles ont filé sur les animaux eux-mêmes. Pour nous, cela veut dire tout simplement que si nous savons, et on le sait très vite, que nous avons un certain talent, un certain don, que ce soit dans la parole, dans l'écriture, dans le bricolage même, eh bien, il faut toujours réfléchir comment puis-je utiliser ces forces-là pour servir Dieu Qui puis-je aider En quoi je peux aider dans une institution Ou bien par ma parole, ou bien par mon, mon écriture, par ma plume, ou bien par mon corps, si je sais aider par mon corps. Comment puis-je faire pour, au-delà de l'intérêt personnel que ce don peut me donner, eh bien, diffuser ce don, donner ce don à autrui et au-delà de cela, si nous avons BH pratit, la providence divine nous a donné une certaine richesse par exemple, et bien nous tâchons d'utiliser cette richesse pour le divin. Si Dieu nous a rendu riches, nous devons réfléchir, comment utiliser mon serre les 20% de ma fortune, pour aider les pauvres, pour aider les nécessiteux. Une, une anecdote, très belle anecdote, d'un du Hanmurazaken. Anecdote rapportée par le rabbi Rayat, qui un jour est devenu riche. Il demandait à ses amis, mais je suis certain que le rabbi, mon maître, lord Mordaken, va venir me rendre visite et va me demander de l'argent pour donner aux pauvres. Pourquoi? Je suis devenu riche. Ça ne peut pas être pour une autre raison que pour aider quelqu'un. Ou bien, très certainement, un envoyé des Rets Israël qui ramasse pour les pauvres des Rets Israël va venir. comme ça a C'est-à-dire qu'il était constitué. Il était façonné de telle sorte que chaque fois que Dieu lui octroyait une bracha, il était dans la réflexion, dans le mode, cette bracha, pourquoi Dieu me l'a-t-elle donnée? Et donc, il comprenait que s'il avait cette bracha, c'est pour pouvoir la transmettre, la donner à autrui, au-delà de son intérêt personnel, de celle de cette famille. Que nous vivions avec cet enseignement, que nous réfléchissions à nos dons, à notre richesse, comment donner nos, nos dons, nos facultés, notre richesse à autrui pour diffuser la Torah, pour diffuser la même dans le monde. Bonne semaine